Et salut tout le monde, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. On part tester couleur 100% dans 7ème ligne, diabolique à la demande de Diablo, du coup en plein live. Donc on a essayé d'articuler la team, tu vas voir que S est superbement bien débrouillé et le couleur 100% c'est juste n'importe quoi. En tout cas, comme d'habitude, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre sur Twitch aussi et à liker la vidéo, à poster tes commentaires si tu en as et si tu as des idées de compo de team ou autre à me demander à tester. On est là, on le fait. Donc on part en showcase tout de suite, let's go! Parti pour la VOD couleur, je le présente pas, vous le connaissez tous. On est à 714 000 points de PV. On va pas mourir. La première phase, on a combien? Tac, 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 tac. On a 208 000 avec couleur. Autant dire qu'on tankerait un, je rappelle le kit. Au fur et à mesure qu'il va attaquer, il va monter en stats. Il a une attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque SP. Qui plus 5, attaque et def plus 100%, ça va monter, monter, monter. Et dès qu'il y a 10 attaques qui ont été lancées, on a une attaque supplémentaire garantie à chaque tour. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Donc là, on va partir comme ça. Je vais laisser Metal Couleur devant. Enfin, je sais pas c'est quoi. Donc là, on va rester comme ça. Metal Couleur est surcoté, je suis pas ouvert aux dégâts. Pourquoi t'es pas ouvert au débat? J'ai eu 3 sur le Gwen Ultime, Tex, Super Saiyan. Du coup, j'étais puits. Bah, GG! GG pour tes drops, Minato. GG! La zone suprême Arc-Enfant? Ça dépend d'où tu. Attends, la zone suprême Arc-Enfant? Pour quel perso? C'est pour quel perso? Ouais, non, je lisais en même temps, mais là, j'ai pris ultra cher. Là avec Freezer on meurt. Là on meurt avec Freezer. Là on meurt clairement. Non le Yang ça a pas crash. Et ça c'est un peu chiant tu vois. C'est un truc qu'ils auraient dû patcher changer quoi. Et y a pas de souci t'inquiète. Y a pas de problème. Et sinon mon arc DBZ favori. Cell. J'aime beaucoup la saga Namek aussi etc etc mais Cell. Ça reste ouf. Nice, et toi? Et surtout, est-ce que t'as drop? Ouais, j'ai drop, Ayoub, j'ai drop. On a tout drop, du coup. On était plutôt content, Purée couleur. Je pense que je devrais jouer le duo SSJ-AJ, j'ai les 100%. Bah lui, j'aimerais bien le retester, le duo SSJ-AJ, tu vois. À voir ce que ça donne. Mais là, en tout cas, la team LOE, en tout cas, dans cette config, si tu fais pas de mix transformation fortifiante, elle a pris un petit glowdown. Non, elle a pris un petit glowdown. Mais bon. Donc là, on n'est pas sous Whis. On est toujours pas sous Whis. Là, on va. Ce qu'on va faire. Non, on va mettre un Whis, hein, sinon, on va mourir instant là. C'est pas le but. Clairement pas le but. Metal AJ fait peur. En plus il a même pas stack Diablo là. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Celle aussi incroyable. Ah, mais ça vous avez des bons goûts les gars. Vous avez des bons goûts. C'est bon ça. Yo HHN, comment tu vas sur YouTube? Comment ça va le frérot? Comment tu vas? J'espère que ça va de ton côté. Je mets deux doublons de végétaux AJ. Franchement, doublonné, la donne elle change. Hein. La donne elle change vraiment, 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 vraiment. Moi, c'est saga Freezer. Moi, c'est ma deuxième saga préférée parce que j'aime beaucoup le côté aventure de la saga, etc. etc. Et je trouve ça plutôt pas mal. Prépare-toi pour Freezer MF, il va te faire perdre même sous Whis. Là, Takeshi, t'as dit quelque chose de réel. T'as dit quelque chose de réel. On va clairement perdre avec Freezer MF. À moins que couleur, mais je pense pas. 4,5 millions. Bon. 4,5 millions. Après, ça c'est incroyable qu'on passe la red zone avec cette team. Hein. Ah, je m'attendais à pire. Alors, Freezer MF, si on le met en dernier slot, ça passe. Je pense qu'il va pouvoir tank une attaque. On le revoit pas tout de suite. Mais on mourra techniquement plus tard. Donc. Moi ça va super HN, j'espère que ça va aussi de ton côté, que t'as pu drop ce que tu voulais. T'as pu avoir les cartes que tu voulais, etc. etc.
Moi, Saga Cell, et après Namek, Largou, et plus mauvais, le fanservice commence à arriver. Bah, c'est vrai que ça a été l'arc, on va dire, de la relaxation pour Toriyama, tu vois. Il s'est vraiment laissé aller dessus, tu vois. Après, il voulait repartir à des choses plus légères, donc bon. On va faire ça pour l'équipe. Et c'est parti, est-ce qu'on résiste là? Moi, Saga Cell, et après l'arc. Condition est encore plus chiante que VB. Clairement. Elle est pas ouf la condition. Est-ce qu'on résiste? Non. Non. Je ne débat plus. Il n'est plus ouvert au débat. Moi, je vais essayer d'avoir Zamasu LR. Il faut que tu l'aies. En plus, là, apparemment, ils font une pétition pour pouvoir changer le nom, ce qui serait intéressant parce qu'on peut pas le jouer avec Gatai Int. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien qu'on puisse le changer. Comment ça va, Kaizen? C'est comment tu vas? J'espère que ça va bien de ton côté. Là, on est en train de finir les tests de plusieurs teams, plusieurs persos. Donc, j'espère que ça passe, même si là j'ai un peu peur. Depuis 2015, ouais, j'y joue. En même temps, maintenant je fais un peu de DBL et du Dokkan, tu vois, j'allie les deux en stream et en VOD, du coup, donc ça me permet de m'amuser, tu vois. Ah, c'est toi qui as demandé, attends. Ah, j'avais le tweet en dessous. Mais ouais, le Yanks, ouais, si, le Yanks. Bah, depuis Day One, hein. Depuis Day One, du coup. Donc là, couleur, on n'a pas beaucoup de def par contre. Ouais, on a clairement pas beaucoup de def. On a plus de def, on n'est pas sous. On n'a pas de def, on n'est pas sous. Mais vu l'attaque qu'on a stacké avec couleur, on est à plus de 500k. Bon, on va voir ce que ça donne. Yo Mig, comment tu vas? Comment ça va, Mig? 16 millions. Il va finir avec un gros cri des familles. Hein. C'est 16 millions, les. Bon, les gars, on a la minia de la vidéo, c'est bon. On a la minia. Couleur incroyable. J'ai un coucher de soleil magnifique. Sérieux, Minato? Bah, hésite pas à rejoindre le Discord. Comme ça, si tu veux nous en faire partager ton coucher de soleil, c'est avec plaisir. Et couleur. Couleur 100% K-carré. Bon, tant mieux, c'était son test. Donc, dans la team. Dans cette team-là, avec des petits poids morts par-ci par-là, plutôt cool. Plutôt cool. Comme quoi. Il va extrêmement bien vieillir, C'est comme le vin, tu vois, comme le bon vin. Il est bon.